Alors faut pas que je me gourde de périphérique de jeu moi. Ouais, normalement c'est bon. Ah oui, j'ai déjà pas le pénétrant. Bonjour à toutes et toutes, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le constater, j'ai pris mon temps, je l'ai marqué à 10h. J'ai fait une grasse mat, ça m'a fait du bien. J'ai l'impression de m'être vengé des des nids cassés ces 15 derniers jours. Oh, je me sens léger, je veux dire spirituel, ça fait du bien. Oh, je me sens encore un peu vaseux, hein, mais bien. Vaseux, heureux, relax, là, j'ai jusqu'au bout des doigts. Bonjour, Nashevman. Ça fait du bien. Une nuit réparatrice. Alors, presque double, parce que je crois que je me suis levé vers les 4-5 heures du mat pour soulager ma vessie. Il y a peut-être un bruit qui m'a réveillé, mais ça va, je me suis vite rendormi. Et... Oh, ça fait du bien. Oh, je sais vraiment que je suis déjà réarmé pour la semaine à venir. Et c'est apaisant. C'est cool. Là, 10 heures de pionce. Je boude pas mon plaisir. J'espère que vous allez bien. Alors, Nashevman, moi, je me réjouis de te retrouver normalement ce soir sur Kick. Tu continues ton Zelda. Je sais plus pourquoi je t'avais fait faux bond la semaine dernière. Honnêtement, j'avais pensé à toi et j'avais pas pu te joindre, mais je sais plus pourquoi. Je devais avoir trop de trucs à faire en coulisses ou je sais plus quoi. Mais normalement, ce soir, j'aurai plaisir de te retrouver quand tu feras ta partie sur Kick. Ah, je sais même plus ce que je devais faire. Je crois que j'étais libre comme l'air, comme dit la chanson. Tu es passé, non? Ou alors, je t'ai peut-être fait un petit coucou, mais j'ai pas pu rester, tu vois. Je t'ai peut-être fait un petit coucou, et puis... Je me souviens que j'avais un dimanche soir très chargé la semaine dernière. Se rendre là où une mission est possible. Non, là, j'ai bon espoir d'être un peu plus actif sur ton chat ce soir. J'aime bien te faire la causette. Alors, la capitale du centre. Ça va être ça, je suis presque sûr de t'avoir vu. Mais ouais, j'ai toujours plaisir de passer sur ton chat et puis de papoter. Je t'avouerai que... Devrais-je dire honteusement, enfin du moins, c'est ce que... Ce que pense mon cousin qui est fan de la licence Zelda, il rêve de me voir y jouer un jour. Peut-être que je le ferai, hein, mais je me suis jamais lancé dans les Zelda. Et en plus de devoir y jouer, moi je découvre encore un peu plus l'histoire. T'inquiète, pas grave. Oui, je sais que t'aimes bien là-dessus, t'es bien vivant, je sais que t'aimes bien interagir avec... T'es comme moi là-dessus. Le système du chat, pouvoir interagir avec tout le monde, c'est super agréable. Du plaisir quand t'es diffuseur, justement, t'as pas clavardé, tu parles tout simplement. Et... Ah, c'est bien le confort. Mais d'ailleurs, c'est un test que j'ai pas fait, que j'avais dit que je testerais chez toi. Mais je le ferai peut-être moi tout à l'heure. C'est la reconnaissance vocale que t'es plus de saisie clavier à faire. Et voir si juste à la voix ça marche. Parce que dans Windows, c'est intégré hein, l'écriture vocale. Faut juste l'activer. Nash, tu me dis, j'ai pas la parole facile pour autant. Il suffit d'avoir des sujets de conversation. Oui. Oui, il faut quelque chose de captivant. Je vais peut-être détendre mes jambes là, je suis peut-être un peu trop en jambes croisées, ça me coûte la circulation sanguine. Oui, il faut tester à l'occasion, je suis sûr que on va dire la saisie vocale est vachement bien. Alors il me dit que la capitale, la Mossaté, c'est là-haut. Y a des missions. Mais y a pas de navire, oh merde. Dommage, y a un point d'eau, on peut atteindre la ville... Y'a pas d'embarcation. Oh. Hop, 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 hop.
Mais je le sentais, je savais que j'allais faire grasse mat. Parce que j'avais cumulé trop de manque de sommeil et de nuits pétées, brisées là, par les festivités de la ville. Et un autre enquiquineur de... Oula. Oh la vache! Il y en a qui ont une meilleure flingue que d'autres, et lui il m'a abattu d'une balle bien sur un organe vital. Je cherche pas forcément à faire le zouave, juste passer du temps avec des amis. Oui, oui, oui! Non, mais le zouave c'est plutôt moi, mais. Et depuis que je suis petit, j'ai des prédispositions à être bavard. Je vous avais expliqué une fois que à l'école, alors les punitions pour bavardage, j'avais toujours un exercice supplémentaire. Enfin bon, bref. Dans les devoirs maison, des trucs qui me rendaient fou. Mais en dehors de ces prédispositions à être bavard, j'ai mon expérience d'animateur radio, ma formation qui fait qu'il y a la peur du blanc. Donc du coup, je suis devenu naturellement un donneur de parole, mais sans discontinuer. Mais ça fait bien, c'est incroyable. Merde, j'ai aucune visibilité. Oh la vache. Ils sont chiants les deux sticks. Mal géré. Ah, tom, potom, 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 pom. C'est seulement de la chance. Mais moi aussi j'ai ma bonne étoile. Il est vivant et je suis vivant. Je crois pas à ses conneries. Il peut mourir comme tout le monde et son jour est arrivé. Je crois que j'ai jamais entendu cette réplique de la bonne étoile là. Son jour de mourir vient d'arriver. Oh la vache, je croyais que je l'avais allumé, mais pas du tout. Oh, mes Doom. Qu'est-ce que je fous? Qu'est-ce que je fous? Il faut que je me barre. Je sais qu'il est par là. Il arrive. Je sais qu'il arrive. Je vais me filer. Au cours. Non. Attends, je vais me ruer dans le village, si je peux. Non, je peux pas. Ah, j'ai oublié de me soigner. C'est vrai que quand j'ai sauvegardé, j'avais 2 barres sur 5 de vie. Donc ça aide pas pour se carapater. Pas malin. C'est seulement de la chance. Je n'ai pas malin. Je suis vivant. Je crois pas à ces conneries. Il peut mourir comme tout le monde. Et son jour est arrivé. Il doit être par là. Dispersez-vous. Ah, j'ai pas envie de tomber sur lui. C'est con. On peut rien faire ici. C'est ça. C'est bien de refaire le plat. Il y a un petit manine derrière. Ah, oh, incroyable! Merde! Mon approche était bonne. Sauvegarde et le soin. Non, bah j'ai pas le droit de faire ce que j'ai fait. J'ai pas le droit de faire ce que j'ai fait, et puis là du coup je me suis mis dans le mal. Non. Non, non. Le jeu me le refuse. Je me prends des salves de balles, donc en fait le soin peut pas être validé. Ah, oh, merdoum! C'est seulement de la chance. Mais moi aussi, je suis vivant. Et la logique veut que je puisse pas courir et me soigner simultanément. Ah, oh, bah alors, je me suis mis dans une situation inconfortable comme un grand là. Mais moi aussi, je suis vivant.
Non. Merci. L'autre il arrive, je vais aimer. Non. Ne surtout pas aller à cet angle. Ça va mieux, je commence à reprendre. On va dire des couleurs. Oh, doucement. Voilà. Flingue au top et santé au top. On peut pas faire mieux. Qui c'est qui me... C'est bon? Ah! Aurais-je repris complètement le dessus? Attends, j'ai pas vu sa dépouille, c'est peut-être relevé. Faut que je fasse gaffe. Pas mal. Alors, j'ai pas trouvé la grande... Ça t'est toujours un mystère ici de trouver la grande pharmacie, je crois. J'arrive à trouver des petits soins, mais... Même sur le quai, là, avec le navire... Je sais plus si j'ai un gain ou aller dans la baraque. Ah si, je peux y aller. Elle est ouverte. Alors, il y a une malade, ça fait une éternité qu'elle a été explosif, j'en veux pas, je suis au taquet, les soins là maintenant c'est bon. Il manque juste une petite trousse de pharmacie. Ah, c'est la radio, j'ai peur, j'ai cru que c'était un mec. Avec tout ce grabuche, ça m'a surpris qu'il vienne pas à la fête. Voilà. Merde, je prends le truc contre la malaria. Comment c'est fait? Oh, je peux pas basculer le truc dans la flotte, ça aurait été rigolo. Ouais, ça c'est le poisson tout pourri. Eh ben, je vais aller à la capitale avec la... le navire. C'est pas désagréable d'y aller en embarcation. Bon, je dis toujours la même chose, mais je me merveille toujours de l'ambiance et faire pas le mieux. Avec un joli chalutier. Pour la suite. Non, je suis au taquet, je suis au taquet. Mais c'est apprécié. Je me demande quelle va être l'intitulé de la mission. Je sais plus avec qui j'en avais parlé là de Far Cry 2, mais j'ai toujours pas fait de mission qui m'avait marqué, qui est vers la fin, qui est de sauver un politique local à se barrer avec sa famille en avion. Et en fait, il faut l'escorter jusqu'à l'aérodrome. Et c'est assez sport comme mission. Mais c'est touchant d'avoir le politique qui vous parle, qui vous dit merci, vous m'avez sauvé la peau avec ma famille, je vous voudrais ça. Et puis je crois à un moment qu'il vous fait un peu un cours d'histoire. Il vous dit oh, vous êtes impliqué dans le sauvetage d'un peuple. J'avais bien aimé la narration, le personnage il était marquant, bien que... On bouge plus, sans armes, désolé. Que secondaire.
Oh ya ya. Ah bah tiens. C'est beau. J'aurai contact Bastion et dis-leur de revenir. Ils reviendront pas. Et comme ils m'ont traité, j'étais comme un con. Nous sommes dans une situation épineuse. En marchant dans la rue, on sent bien que les civils pourraient agir à tout moment. Ils s'opposent à moi et discutent mes ordres. Je ne sais pas ce qu'ils leur prennent. C'est le chacal qui leur monte à la tête. Je t'assure, ils préparent quelque chose. Ça suffit, je veux même plus entendre parler de cet homme. Ha! Guerre civile! Indépendance! Personne ne t'a suivi ici, n'est-ce pas? On n'est jamais trop prudent de nos jours. Les ennemis de l'UFLL sont partout. Il devient nerveux. Il est vivant. Ça fait longtemps. J'espère que tu te sens d'attaque, non? On a un marchand d'armes qui nous cause des soucis. Toi, t'es fort. Tu peux passer un message à l'homme qui dirige le marché noir. Il se trompe. Il a tout misé sur l'APR. Il ne travaille qu'avec eux. Comment crois-tu que je veux m'occuper de cet homme? Tout le monde doit comprendre qu'il a fait une grave erreur. Il sait qu'il a mal agi. Il se cache. Il trafique depuis une plateforme pour rester mobile. Il est sur le bras est du fleuve Noga, sous le pont du chemin de fer. Oh. Le monde n'a pas besoin de types comme lui, je suis sûr que t'es d'accord. Alors tu vas aller à la rivière pour trouver cette plateforme et tu t'occuperas de ce problème. Ça va être du bon travail. Voris s'occupera de te payer. Ok. La carte est ici, tu vas trouver facilement la plateforme. Descends Yabek et t'es libre. Tarif habituel. 30 diamants. 30 diamants. Ouais, le tarif habituel. Vache. Y a pas d'amis ici, n'oublie jamais ça et surveille tes arrières. Ha! Je me fais tellement allumer qu'il n'y a pas que les arrières que je surveille. Hein. Je surveille à 360 degrés. Oh mon dieu! Ah, pourquoi pas? Faire une grosse sauvegarde. Je veux bien! Ouais, bon, peu importe. J'en reviens pas que je suis K. 65% de la trame principale. C'est bizarre. Enfin, tant mieux. Moi, j'adore, mais... Je m'attendais à être plus proche de la fin que... On est d'accord, il y a rien, là, de voir la grande échelle. Merde. Oh, il y a Janine qui m'appelle, là, quoi. Synaphrine, c'est ça. J'ai une bonne nouvelle. Viens me retrouver à Sepoko et je t'expliquerai tout. Comment ça, elle a une bonne nouvelle? Elle a des nouvelles armes que même le chacal n'a pas trouvées. Hein. Nyeh. Quand je me suis réveillé ce matin... Trafic d'importation interdit. Arrête. Eh, c'est des standards. Ah oui, c'est le journal local, ça. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Il y a un mec qui a une drôle de posture. Ah non, non, il garde la porte, ok. J'avais mal lu sa posture. Non, il n'y a rien, c'est la misère, ici. Haché, bonanga. J'espère pas me casser la gueule de cette échelle qui fait 2 étages. Ça va. Elle est où, la miss? Voilà, elle est pas la porte d'à côté, la miss. Vous du diou. Bon bah on va encore voyager en Afrique. Oh quelle horreur. Je suis dans l'extension du cimetière improvisé tellement qu'il y a une mort parmi les civils. Je pense à une ânerie. Je pense à un début d'éloge funèbre, en fait. Bonjour, Tunsen. Je pense à un début d'éloge funèbre, mais pour les entités numériques. Et dire... mince, ah bah tiens, je suis en train de perdre mon idée. Oui, paix à leur cyber-âme. Ce n'était que quelques lignes de code. Aïe, aïe, aïe. Bah quelque part, symboliquement, c'est un peu ça. Merde, je voulais prendre la direction du bus, moi, pas y aller à pied. Encore que... Attendez, j'ai une armurerie en chemin. Non, je suis plein de matos. J'ai pas besoin d'aller à l'armurerie. Je vais y aller en bus. Ce sera plus naturel, on va dire. Attends, il faut que j'aille... Surtout que ça va être le coucher du soleil, et oh, oh, oh. Il va falloir que j'aille dans une... Va falloir que j'aille dans une... j'allais dire une coucherie. Dans une... point de sauvegarde, là, un refuge. Une casbah de mercenaires.
Parce que faire une mission en nocturne, j'en ai fait 2-3, hein, souvenez-vous, en nocturne avec vous dans Far Cry 2. Moi, j'ai un mal de chien à voir ce que je fais, et vous, dans le rang du Twitch, c'est même pas la peine. C'est tous les chats sont gris, ça a aucune valeur visuelle. Donc je ne commets plus l'erreur de me balader en nocturne. Oh, au pire. Le bus. Que je me téléporte dans la bonne région. Alors elle est où la miss? La mercenaire qui est vachement efficace, hein. Vachement efficace comme mercenaire. C'est un sacré. Hein. Il a éjecté comme un caca. Il a giclé comme une merde, l'autre. Tant l'autre a accéléré, c'était trop drôle. Oh la bonne blague. On voit qu'il avait pas attaché sa ceinture, hein. Parce que vu comment qu'il a valdingué quand l'autre a fait son demi-tour et s'est mis à accélérer. Oh, c'était rigolo comme tout, comme scène. Mais il atterrit où, le malheureux? Putain, c'est fou! Il a fait un vol plané! Je sais même pas où est sa dépouille. C'est n'importe quoi. Bonjour, Christella. Oui, merci, bon dimanche à toi aussi. Bah, c'est un dimanche, tu vas être contente! Yannick qui peut revenir commenter et on continue la promenade commenter tout à l'heure. En gros 14h30, 17h30 j'ai envie de dire. Je sais plus. Oui, je voulais faire passer la nuit, il me faut une casse-bas. Il doit y avoir un point de sauvegarde pas très loin. Ouais, j'ai un truc. Ah bah je suis à côté d'une armurerie en plus. Si je voulais changer de flingue, je peux. Ouais, peut-être changer le... Salutations. Nous avons le plaisir d'accueillir Dragonski. Ah, tu sais t'annoncer, hein. T'as bien raison, bonjour Dragonsky. Bon, c'est un peu dommage qu'il fasse à la française, on dirait un Polonais qui arrive, en disant Dragonski, mais bon... Ça t'y pourra rien, Dragon Sky. Ouais, c'est ça, Dragon qui surfe, exactement, une scène. Moi, je pensais à la version polonaise, mais t'as pas tort. Je te donne également raison. Aïe, aïe, aïe. Voilà, je vais pouvoir faire passer la nuit, qu'on y voit quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait la danse d'Hélène! Il simule je sais pas quoi là. Mais c'est quoi cette animation? C'est Shanyang. Ok. Oula! Je ne sais pas comment l'approcher, il fait tout tomber. C'est cool. C'est dangereux. C'est cool. C'est cool. Je suis... Ok. C'est cool. Je suis... Ok. C'est cool. Je suis... Comme tu veux. C'est dangereux. C'est cool. Un rap. Je suis... Comme tu veux.
Je sais pas, rapper NB, ce que vous voulez, mais cette chorégraphie est trop fort. Comme tu veux. Comme tu veux, c'est cool. Ok. Comme tu veux, c'est cool. Ok. Ouais. C'est le nouveau tube de l'été là-bas en Afrique. Wouh. Ça envoie. Oh la vache. Trop bizarre. Il y a des bugs qui vont trop loin. Oui, du vrai Made in France. Oui, c'est ça, Nash. Oui, oui, autant sauvegarder parce que l'idée de repasser la nuit. Ouais. Voilà. C'est bon, il s'est calmé, il a fini sa chorégraphie. Pas de problème. Hey, t'es malade de travailler avec Nasreen, elle est folle. Surveille tes arrières. Non mais, ce mec est une boule d'énergie. C'est une pile électrique, ce gars. Il peut pas rester en place. C'est... Oh là là. Oh. Il peut pas être sniper, en fait. Il peut pas attendre que sa cible arrive dans le viseur pour tirer. Lui, il faut qu'il bouge dans tous les côtés, que ça fait être dans tous les sens. Bon, vous me direz, il y a plusieurs types de mercenaires, si je puis dire. J'ai l'impression qu'ils ont eu un coup de chaud, le personnage. Oh là 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 là. C'est... Inouï, t'as pas idée, Dragon Sky. Tout fou, tout fou. Bon, finalement, je vais peut-être aller à l'armurerie. J'accepte de changer mon arme de poing. Mon 9mm, je vais changer par un autre flingue. Je sais pas encore lequel, je sais plus ce que j'ai. J'ai surtout des explosifs, dans la manche, quoi. Le lance-fusée. Je vais reprendre mon vieux lance-fusée pour faire, vous savez, des diversions par pyromanie, là. Ça marche bien. Oula. La dune. Oh là, c'est Paris-Dakar. Mazette. Attends. Ah, mais je suis tout proche. Je suis à côté de l'armurerie et j'allais la louper. La chaleur de l'Afrique, attends, je profite de lire. La chaleur de l'Afrique leur joue des tours, c'est ça. Non, je pense que je vais rien acheter, bien que j'ai 100 diamants. Remplacer petit flingue. Ah, oh, j'ai, ouais, le lance-fusée, ouais, ouais. Ah, Aeroster, bonjour. Ouais, j'espère que tu vas bien aussi, Aeroster. Le mortier, j'ai pas aimé l'usage du mortier. C'est pas facile. C'est vraiment particulier, l'usage du mortier. Bon, on est d'accord, j'ai tout. J'ai tout. Allez, hop. On s'en va en guerre. Ouais, bah ça va, dans l'ensemble, tout le monde va bien, Aeroster. La miss, elle est pas très loin. Elle a quelque chose à me proposer. Merde. Oh les cons. Bravo, ils sont éliminés d'eux-mêmes. Magnifique. Il y avait un bidon d'explosifs, ils ont tiré dedans, croyant me viser. C'est magnifique. les patrouilles qui se sabordent à mon arrivée. Je fais si peur que ça. À vue en plus, hein. C'est... Aïe aïe aïe. Oh, t'as mal dormi. Ah oh, merde, toi, c'est un moustique qui t'a enquiquiné. Aïe. Ah mince. Alors moi honnêtement, j'ai eu ma nuit qui a été coupée en deux. J'ai dû faire un truc comme 23h, 4h du mat, 5h du mat, 10h. Et au moins j'ai mon quota de sommeil. Et je sais pas si c'est un bruit qui m'a réveillé au milieu de la nuit, mais bon, moi j'en ai profité pour soulager ma vessie. Mais ça fait du bien. D'avoir cumulé 10 heures de sommeil, là, je revis.
c'est bien un petit peu d'hésitation. Ouais, elle est là-bas. Safe House. Ah oui, ok, c'est très bien qu'il est sur le GPS en plus. Merde! Deux patrouilles pour le prix d'une! Ah bah ma coéquipière elle est juste à côté. Allez, enfin mon coéquipier. Ouais. Là il y a un concentré de mercenaires, ils sont un peu dans la merde. Ouais, avoir des plantes carnivores, ouais. Ouais. C'est vrai que ma maman elle aime bien, elle a une plante carnivore. Les fameuses bouffe-mouches. Elle aime bien. Moustique 3h du mat. Ouais, c'était arrivé toi aussi cet été dans le Sky. Non, moi c'est vrai que j'ai pas été emmerdé cet été par les moustiques. Je m'en souviens pas. J'ai eu un festival d'araignées chez moi. Des araignées magnifiques. J'ai eu les mites, mais j'ai rien eu d'autre. J'ai pas eu les guêpes, les frelons. J'ai pas eu les moustiques. Je sais plus ce que je peux avoir comme gêne. Si je peux avoir les fourmis volantes. Pas cet été. Je serai incapable de vous expliquer pourquoi. Mais C'est moi. T'as rencontré un Bantoué? Bon, d'accord. Peu importe. Bon, d'accord. Peu importe. Je m'en moque. Ah non, ils vont pas tous se mettre à bégayer. Elle a une bombe. Quoi? Il me manque que le fusible. J'aimerais bien que t'en récupères un pour moi. Alors elle veut un fusible? D'accord. L'homme que tu es censé tuer, Yabek, il a placé sa barge sous un pont. Il pense être en sécurité là-dessous. Mais on peut détruire le pont avec ma bombe. On peut le faire tomber sur sa tête. Ok. J'ai travaillé pour Yabek. Il peut bien mourir. Mais il a du flair pour trouver les reliques de l'époque de la guerre froide. On a sorti une bombe d'un hélico Heinz défoncé. Une sacrée veine. Écoute, quand on va faire tomber ce pont, la PR va sûrement venir nous chercher. Il faudra se battre pour sortir de là, d'accord? Ok, elle veut bombarder un pont, tout va bien. On va trouver le fusible sur le site de récupération. Ouais. Mais bah, faudra m'envoyer les coordonnées sur la carte, ma grande. Oh merde, je me retrouve avec le flingue. Oh, ça sert à quoi que j'aille à l'armurerie si c'est pour me remettre le... En plus, c'est bien, le site du crash est proche de l'armurerie, donc ça m'arrange. Tu crois qu'il y a encore un mec? Attends, j'ai mon copain mercenaire qui garde les lieux. Non, ça devrait être bon, t'en penses quoi? Non, il dit rien. Il est concentré. Alors moi en ce moment dit Dagoska, je sais pas pourquoi j'attire tout type d'insectes, moustiques, fleurons, bestioles des bois. Ah merde. Alors moi ça m'a encore jamais arrivé des bestioles des bois. Tant mieux. Bonjour Torota. On va bien dans l'ensemble, merci, j'espère toi aussi. Nash tu dis mon plus que des morpions, des punaises de lit et t'auras la totale. Ouais c'est pas fou. Non moi je pense que j'ai suffisamment d'araignées chez moi. Et c'est un avantage. Pour que les autres petites bestioles se fassent bouffer en fait. Eh oui, que j'en suis attentif. Incroyable, un mercenaire qui me donne conseil. Ah non, la jeep passe pas partout là. Là j'ai une montre impossible. Ouais, c'est passer hors route, c'est pas une bonne idée. C'est pas du tout une bonne idée. Bon, je vais rejoindre la route la plus proche, si je peux. Oui, vraiment si je peux. Ah.
Et à force d'aller à droite, gauche, gauche, droite, je sais même plus où je vais. D'accord, c'est par là. Ouais, c'est bien, tout le monde va bien. Ouais, c'est cool. Bah, finalement, là, il y a Kairoster qui est le plus enquiquiné par sa nuque coupée en deux par le moustique. De repasser par le l'armurerie. Oula, il y a un camion. Oula, il tombe de la main, mec. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Il faut toujours y entrer la sauvegarde et les soins. Ah merde, il est mis là-bas. Alors c'est génial pour faire Rambo avec le flingue, mais alors pour viser, c'est dur. Merde. Ah, oh, magnifique! Pour le mec, il m'a aligné de toute beauté. Je les savais pas aussi proches. Oula, avant de m'occuper de ceux qui sont à l'opposé de la route, j'ai intérêt à faire ceux qui sont dans mon secteur. Wouh! Alors attends. Il est où le mec? Ah, il était là. Vache. Descends-le, je vais le retenir. Je vais le tuer. Ferme-la, il bouge. Allez, c'est parti. Oh merde! Ça va pas. Merde, recharge! Ah, ça c'était une bonne idée, mais je manque de temps, en fait, parce qu'ils sont trop nombreux. Je suis cerné au moins par trois axes. Je l'ai entendu, en fait. Mais... Wouh ! Encore une scène de baston intense. Merde, tu l'as vu, la dernière fois. On devrait se disperser et le chercher. Pas moyen, on bouge pas. On sait même pas où il est. Bien, j'en ai des deux au moins avec le bonhomme. Ça fait plaisir. Allez, allez, allez. Attention la Jeep. C'est bien, ça me fait un mur de tôle. Change de flingue. Voilà, vite, défonce-le vite. C'est un peu brouillon. Non, je l'aurais mis au snipe. Mais pourquoi il m'a changé d'arme? J'étais sur le snipe. Oh merde. Alors lui, c'est pas le snipe. Mon arme de poing est pas assez puissante, surtout s'il porte un gilet pare-balles. Bon, je bastonne pendant un bon quart d'heure là. Parce que le scénario est pas évident. Il a mis l'air de diminuer. Non, l'arme de poing. Ah merde! Là, cette fois-ci, la carcasse a bougé le camion. Ça m'a touché. Hop, lui il est calme. J'ai chaud, j'ai failli passer.
rein, Mann! Los mit mir! Merde! Ah merde! Le camion qui me servait de barrière a giclé. Oh la vache! Wouah! Alors là, je suis à poil! Parce qu'il doit rester 2-3 types bien armés, donc si j'ai plus de planque, ça va pas. Où il est parti? Dur d'y aller dans l'ordre au niveau de l'élimination. Non, c'est bien, chaque recharge, j'ai pas le scénario. Là, il va éclater le. Merde. Il faut que je me pointe derrière les rochers là, ça. Voilà. Regarde le véhicule de mes deux qui va arriver. C'est pas mal là où je suis. Merde, il y a un snipe. On entend les balles siffler. Bon, un snipe. Oh là 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 là. Mais je progresse. Je progresse. Là, j'ai sauvegardé sur le rocher. Donc, on va passer à l'étape suivante. D'ailleurs, c'est un risque qu'il prend le mec de se mettre là parce que le camion va exploser. Aïe, j'ai mon partenaire mercenaire qui m'a déjà aidé une fois, il est pas là pour cette fois-ci là. Il a réussi à m'allumer. Ah, j'étais confiant pour tenir tête plus longtemps et non. Oh là 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 là. Je vous rappelle que je joue à la difficulté la plus élevée. Hein. Ça fait vachement réaliste du coup dans les échanges de balles. Non, là je n'avais plus à vue. C'est dommage, la fois précédente, ils étaient sortis du bosquet. Merde, c'est pas mais... Portail pas loin. Viens où tu l'as vu la dernière fois. Par là. Tu m'étonnes que j'étais par là. Merde. Ils sont trop nombreux. Comment vais-je me sortir de ce guépier? Comme quoi rentrer dans le lard est pas la bonne. Me suis fait. Alors je pense pas que c'était une grenade. Je pense que je me suis fait dégommer à l'obus. Parce que je l'ai pas vu venir. Ils ont lancé une attaque. Merde, allons-y alors. Merde. Ah, dommage, je lui avais tiré à la tête. Oh. Je joue mal. Ouais. Où est parti? Si je vais là. Ouais, c'est dommage que mes flammes sont pas faites. C'est bon, on peut rien faire ici. Dommage. Oh. Par contre, je viens de me laisser surprendre au moment de mourir. J'ai vu un mec qui venait de la colline opposée. Je sais pas comment il a fait pour me repérer, lui. Je l'avais pas compté dans le lot. Je suis vraiment cerné. Où tu l'as vu la dernière fois? Par là. Je suis vraiment cerné. Bonjour, ange de lumière. Ah! Arrête comme ça, chargement, je suis désolé, hein, mais là j'en bave. Alors, je me barre par là-bas. Il m'a refusé mon soin, je me suis pris une balle.
Parce que là, je pars pessimiste à l'idée de tenir mon siège. Ils sont trop nombreux à me cerner de toutes parts. Ah, là, j'ai pu me soigner. Lâche. Ah! Bah! Bah, 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 bah. Quelle est la bonne combinaison? Mais il lance une grenade. Quoi? Bah! Comment le souffle de la grenade m'a eu? Je m'étais planqué sous le rocher. Merde, je veux pas me soigner là. Ah, ça c'est la panique. Du coup j'ai perdu une seringue pour rien. C'est pas cool. Non, lui il faut des gommes. Et l'autre. Pourquoi je l'ai pas dans le visage? Oh là. D'où il tire? Ça me bouffe de pas l'avoir dans le. Puis il y a les flammes qui vont me bouffer. Bah c'est bien, il y en a un qui a cramé. Ah, je reprends le dessus. Non! Je confonds sauvegarde et soins. C'est fou. Hein, je vais perdre toutes mes seringues bêtement. Mais il est où le mec qui me tire? D'accord. Là, je peux me soigner, là, parce que j'étais vraiment dans le mal. Bon, bah, c'est bien, moi, j'ai plus de sort, hein, mais ça, c'est fait. Non, j'ai encore un autre snipe. Il est où, le mec? Ah, c'est lui, là-bas. Il y en a d'autres, mais c'est pas des snipes. Ah, je sais pas si c'est pas des snipes. Ça sent bon. Ça sent bon, je suis en train de reprendre tout doucement le dessus. Ouais, le mec, on le voit. Bah, du moins, on le voyait. Elle est bonne. Il y a lui. Merde, je l'ai loupé. Bah alors. Bah alors, il va mourir lui ou il y a un mur invisible qui le protège. Oh, c'est rageant. Merci, il est mort. Eh bah dis donc. Bonjour Nayonet. Ah, peut-être une bonne idée de faire comme ça. Ah merde, j'ai fait péter la... J'ai hier la valise RTL. J'ai fait péter la mallette à Mu. C'est qui me liquide là? Il est en face et je le vois pas. C'est fou ça! Il va me tuer, je le vois pas. Ah, il y a lui. Il y avait un loustic par là-bas. J'ai du soin là-bas, je veux une bouteille de flotte. Bah merde alors.
Ah. Il est où, le gars? Ah ouais, il l'a eu. J'ai pas repéré le mec. Le... Trop bien, sa position. Ah, c'est... C'est troublant, là. Alors, il y a le gars qui est là. Lui, il est mort. Quand je m'avance vers là-bas... C'était lui, je l'avais pas vu au niveau de l'arbre. Donc voilà, là je sauvegarde sans prendre les soins. Donc j'avance. Et il y a un autre derrière. Il arrive, je sais pas comment. Je sais qu'il y a encore un mec. Mais il doit être en mouvement. Ouais, c'est ça qu'elle veut, la Miss. Ça y est, elle m'appelle. Dectoral fusible, retrouve-moi au pont. Je t'y attendrai avec la bombe. Ah, on va aller au pont, on va le faire péter, ça va être la fête. Manger. Ouais, exactement. En mode sniper. Ah. Merde. Ah, attends. Ah oui, c'est lui. Évidemment. Évidemment, mon arme ne fonctionne plus. Évidemment. Oh la vache. Je me décale et c'est lui qui... Il m'avait dans son viseur. Ah ouais, non mais Pampan le sage, là, il m'a eu de toute beauté. Évidemment, mon flingue qui se bloque. Sinon, c'est pas drôle. Ah, merde. Donc on va ravoir le coup de téléphone de la Miss quand je récupère le fusible de l'avion. Ouais, il faut que je récupère du matos à droite à gauche. Ah. Le gars, il m'allume déjà. Mauvais repérage. Mauvais repérage de ma part. Le gars était pincé sur le rocher auquel je m'attendais. J'ai mal repéré les lieux. Ah ouais, ouais, non mais je me fais snipe. Bah, il est où le mec? Non, c'est pas lui. Merde, c'est un buisson. J'ai pas l'air con. Attends. Je vais aller en amont chasser le mec parce que... Enfin, si je peux. Mon perso refuse de bondir et d'escalader le schmilblick. Ouais, bah laisse tomber. Hein. C'est un guet-apens le machin. Il est où, le gars? Ah, c'est pas lui? Si, c'est lui! Merci! Ah bah, dis donc. Donc il me fallait de la santé, moi.
Évidemment. Dès que tu auras le fusible, retrouve-moi au pont. Je t'y attendrai avec la bombe. Évidemment, ils n'ont pas de trousse à pharmacie, donc je vais l'avoir dans l'os. J'ai l'armurerie qui est toute proche. J'ai l'armurerie qui est toute proche. J'ai quoi? Ouais, j'ai... Ah, c'est le flingue de Kimonkikine. Il me faut le lance-fusée pour faire les diversions en pyromanie. Ce serait bien que je conserve. Parce que du coup, ça casse mes tactiques. Ouais, comment il court, ouais. N'en parle pas. Bon, faut dire aussi, faut pas oublier que dans le scénario, il souffre de la malaria. Hein. C'est pas une mince affaire, le coup de la malaria. Attends, mais il y avait... ah non, c'est dans le petit local qu'il y a les trousses à pharmacie complète. D'ailleurs, je pourrais même sauvegarder, ce sera très bien. Voilà. D'ailleurs, je sais plus. Qu'est-ce que je peux acheter là avec ma centaine de diamants? Parce que j'ai quasiment tous les flingues qui m'intéressent. Ah, je pourrais encore faire d'acquisition de... Ah, il y a celui-là qui a un lance-grenade de fou furieux. Oh, si je l'essayais. Soyons fous. Ouais, je vais aller voir le lance-grenade. J'ai des diamants, autant que je les dépense. Attends. Vas-y voir le lance-grenade. Ça doit être beaucoup plus gros que le mortier. Le mortier, il est difficile à maîtriser. Ouais, c'est ça. Oui, ça remplace ma grosse mitrailleuse ou mitraillette là de 300 balles. Mais ça peut être rigolo. Ben non, mais... Oh, le jeu qui a pas compris mon choix. Je veux ça. Il m'a compris ou pas? Mais... Non, c'est ça? Mais non, c'est un pistolet mitrailleur. Oh, j'ai rien compris. Merdoum. Attendez. Tac, snipe mortier. Ça, c'est la grosse mitrailleuse de fou furieux. Alors déjà, à coup sûr, je m'assure d'avoir toutes les munitions à donf, mais j'ai pas la bonne arme. Mais oui, mais c'est le gros joujou du dessus que je veux, moi. Je fais comment pour dire que je veux le gros machin? Non, c'est pas ça. C'est pas le bon dessin de la bonne arme. Oh, ne me dis pas qu'il y a un bug de sélection d'armes. Oh, mais c'est quoi cette erreur de programmation? Il croit que je veux celui du bas, alors que je veux celui du haut, mais je peux pas sauter quand je suis dans l'entrepôt. Non, mais c'est débile. Vous pouvez disposer et aller couler un bronze dans votre couvre-chef. Bonjour, fun. Mais c'est d'un as, ce truc. Oui, du coup, j'ai pris l'autre, mais je m'en moque. C'est celui-là que je veux. Mais je peux pas le choisir. Mais c'est nullissime. Oh là 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 là. Puis j'avais sauvegardé ou pas? On est d'accord, tout ce qu'il y a... Oui, tout ce qu'il y a au sol, j'ai jamais pris le bon flingue. En bas, clac, clac, clac. À aucun moment il me propose le bon flingue. Quand j'avais sauvegardé, c'était avant d'acheter le flingue. Parce que là, je vais renoncer à acheter le flingue. Hein. Si je peux pas le saisir dans mon armurerie, c'est débile au possible.
C'est débile. Je suis désolé d'avoir des moments flottement comme ça, mais là, c'est le jeu qui est mal foutu. C'est quand même fou. Un ordinateur pour jouer au solitaire, dites-moi. Du coup... Oui, bah du coup, j'étais pas arrivé dans le... J'étais pas arrivé dans l'armurerie. Mais c'est nul comme bug. Nul. Et du coup, je vais me contenter de remplacer mon arme de poing par le lance-fusée. Et puis, je vais au point de rendez-vous de la miss. Enfin, si j'arrive à rejoindre la route. Ouais, non, là, c'est trop dur. Merci. Voilà. Mince. Ne jamais faire du hors-piste. Ça ne rendra pas service dans le jeu. Donc, munitions à fond. Le lance-fusée qui est là-bas. Ne pas omettre de reprendre une trousse de vie complète dans l'autre bâtiment annexe. Voilà. Et là, je peux sauvegarder. Wouh ! Oh là 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 là, ces bugs à la noix. Ouais, tout est là-bas. Ça vaudrait peut-être même le coup ou pas. Non, ça vaut peut-être pas le coup que je prenne le bus parce que vu que l'endroit, le relief, la région est coupée en deux par un énorme massif montagneux, alors peut-être mieux que j'arrive de loin pour être sûr d'être embarqué dans la bonne route. Ce sera pas le cas si je prends le bus justement. Je vais me retrouver piégé bêtement. Merde, je me suis embarqué dans la mauvaise route. Voilà, la bonne étant celle-là. Alors, je vais sûrement rencontrer une patrouille mobile qui va m'allumer. Ou pas mobile d'ailleurs. Pas mobile. Voilà. sans aucune autre forme de procès. Ah, il est éliminé. C'est vrai qu'elle fout lance-roquette là, faut que je me barre. Oh, ils ont réussi à m'abattre. Ah ouais. Merdoum. Alors s'il faut se souvenir en plus là où il y a les mecs au lance-roquette dans les carrefours. Violence. Je vais pouvoir faire mon snipe, je pense. Du moins, j'espère. J'espère pouvoir faire mon snipe. Il est où le mec au lance-roquette? Ah, il est là-bas. Eh ben, il est terminé. Thank you.
Ouais, ils étaient venus voir ce qui se passait. Merde, non, pas de buisson. C'est la végétation, j'ai jamais réussi à le dégommer, le gars. Revenons de la hauteur. Je crois qu'il y avait un autre mec, non? Ou pas. Je recharge pour voir si ça bouge. Je profite du temps mort. Oh, il y a un snipe en bas. Cadeau! Oh, joli! Il a réussi à me dégommer à l'armure lourde alors que j'étais accroupi, hein, je tiens à préciser. Ça a bien giclé. Oh, il a écrasé son coéquipier, l'abruti. Il a fait le boulot pour moi. Incroyable, mais vrai. Ah non, c'est une carcasse qui... Bah, je crois qu'il n'y a plus personne, du coup. Bon, il y a une patrouille mobile, mais je sais pas où est-ce qu'elle est partie, là. Oh, les nigos, ils s'éliminent entre eux. La bonne blague. Y'a rien en face. Non, y'a le mec de lance-roquette qui est mort. Ah, j'entends un moteur. Ah ouais. Tiens, attrape. Oh, il est pas mort. Il a eu du bol, lui. Il a eu du bol. Ah, l'ambiance africaine, on s'en lasse pas. Voodoo. Eh ben, c'est du tout cuit, là. Il y a deux réservoirs qui sont vidés. Il doit y avoir au moins 50 litres de carburant qui sont en train de cramer à ciel ouvert. Ben, ça explose encore. C'est où qu'il fallait que j'aille? Je sais même plus, avec tout ce grabuge. C'est moi ou on me tire dessus? J'ai l'impression qu'on m'a tiré dessus. Ou alors c'était de la tôle qui est retombée au sol. J'ai cru entendre une détonation de flingue. Je deviens parano. Wididou. Allez-y où? Tuture. L'institututure de l'aventure. Zou. Oui, le moteur qui est en train de lâcher. Tiens, j'en ai une qui est neuve juste à côté. Oh, pharmacie. Ah, sauf que là, je suis au taquet, dommage. Mais c'est apprécié que ce soit sur place. Je récupère mes grenades. C'est cool. Ouais, je prends cette bagnole. Puis le mec grand vilain qui veut pas laisser de traces. Par étape intermédiaire, il change de bagnole. Ouch. J'ai pris le virage d'une manière un peu sport. Alors, on continue le périple.
Alors, je pense que je vais faire la mission du pont et puis après je basculerai sur Arx Fatalis. Donc je dois jouer encore une demi-heure, trois quarts d'heure. Et puis, après je ferai du Arx Fatalis. En passant par la Lorraine avec mes sabots, en passant par la Lorraine avec mes sabots mondaines, en passant par la Lorraine, oh, avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots, en passant par la Lorraine avec mes sabots mondaines, en passant par la Lorraine, oh, avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots, en passant par la Lorraine avec mes sabots mondaines, en passant par ouais, c'est pas là en fait. Avec mes sabots. Merde. Et nous, il y a le pont là. En passant par la Lorraine avec mes sabots, en passant par la Lorraine avec mes sabots mondaines, en passant par la Lorraine. Avec mes Merdoum, je me suis explosé comme un gros nigo. Il manquait plus que je mette un gilet jaune et que je lui danse la macarena sur le toit de la bagnole et on pouvait pas me voir davantage. N'importe quoi. Dommage parce que mon approche était pas idiote. Oui, bon, je vais passer par là. Il y a tellement de directions possibles que je me perds. Donc en fait le panneau oui c'est vrai, c'est là aussi les loups. Voilà, là je m'arrête là. Là il faut que j'abatte les moustiques. Et merde. Il y a un mec à lance-roquette, je me suis trop avancé. Ça faisait longtemps que j'avais pas dégusté de la roquette là. Wouh. Ah, il est là le mec. Donc plus de roquettes. Et il y a un loustic qui est parti par là-bas, mais je sais pas où. Ne me dis pas qu'il m'a déjà rejoint et qu'il essaye de me contourner. Je me méfie. Hein. Il y en a des bons. Ah bah non. Non. Là, lui, il est débile. Là, de m'avoir rejoint, il est... Bon, bon, bref. Et lui, c'est bizarre, il m'a tiré dessus à bout portant. Ses balles étaient en mousse. Comme quoi, toutes les armes ne se valent pas. Oh merde! Qui c'est qui m'a eu par derrière? Qui c'est qui m'a eu? Ah ah ah! Non, c'est pas la bonne arme, je vais me faire descendre. C'est pas la bonne arme, mais je vais me faire descendre. Au moins, je leur fous le feu. Ça m'arrange bien. Ouais, bah, je l'ai eu. Bon tir. Ils ont pas l'air d'avoir énormément de matos. Bon, en même temps, c'est un petit poste de contrôle. Ah, si, il y a ça. Il y a ça qui m'arrange bien. Je veux bien une trousse de pharmacie. Ah, elle est sur la carcasse. Bah du coup j'ai changé de bagnole et je... Oui, il me manque une grenade.
Je sais pas si je peux récupérer une grenade sur la dépouille d'un des mecs. Je pense que c'est peut-être un peu trop de demander, mais bon. Ah, il était là, le stick. Non, visiblement, il n'y avait pas de grenade. Ah, si. Je lui ai réquisitionné une grenade. Bon, bah, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Là, il y avait quoi? Ah, bah, il y a un truc, là. Ouais, c'est des explosifs. Ah, oui, bah, les lance-roquettes. Là, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. C'est moi ou j'entends un navire? J'ai cru entendre la... Non, j'ai dû rêver. Qu'est-ce qu'il y a là-bas au loin? Le paysage semble chargé. Ah oui, il y a des baraques. Ça donne où par rapport à la carte? Ah, Polytechnique. Oh, je vais être vilain. Je vais tirer juste un coup à Polytechnique. Non, pas l'arme là, je m'en moque de l'usi, il est naze. Je vais tirer comme un gros vilain une roquette sur Polytechnique. Faut que j'arme le Schmidlik. Voilà, c'est la fête à Polytechnique. Mon flingue d'origine, le bon, c'était celui-là, on est d'accord. Oula, ça bouge. Je les ai évidemment excités dans les bâtiments là-bas au loin. Je vois que ça bouge. Ou alors j'ai un départ de feu, ou alors il y a un loustic qui fait à gauche à droite. C'est rigolo. Bon allez, je vais essayer de rejoindre la mise sur le pont qu'elle veut faire péter. Alors faut que je continue et après que je reprenne une autre intersection. J'espère qu'il n'y a personne au début. Ouais, magnifique. Je continue encore un peu. Voilà, ça m'est clairement indiqué. Merde, il y a du monde. Salopard. Pourquoi j'entends des soucis? Qu'est-ce que... Alors attends, je vais me soigner parce qu'il me fait bobo. Oui, pas très malin lui. Ok, et après? Ça bouge encore ou je suis tranquille? Je suis sûr de rien là. Merde, il y a du monde. Mais c'est quoi ce flingue de... J'ai récupéré un flingue de merde. Ah, j'ai jeté un de mes trucs de qualité. J'ai pas fait gaffe. Quand je me suis barré en faisant l'idiot à Polytechnique là sur le lance-roquette à Merdoum. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'un Uzi, moi? Un Uzi tout pourri. Oh là là. Ah, oh, il était pas si pourri que ça. Je le voyais moins efficace. Ah bah voilà. Défaillance. Est-ce que je peux revenir sur place récupérer le matos que j'ai jeté? Tu me diras, c'est de l'autre bout du pont, mais... Non, je pense que le truc a pas... Bien fait pour ma tronche, ça m'apprendra à faire l'idiot avec les joujoux ennemis. Chut, il est encore là. Bien sûr que je suis encore là.
en a un deuxième qui va se présenter à moi. Je m'annonce ou pas? Il est où le stick? Reste tranquille, il veut prendre l'initiative et le serrer. Ah, il veut prendre l'initiative? Bah vas-y, je t'en prie. Ah oui, il prend l'initiative. D'un peu proche, mais il prend l'initiative. Ça sent mauvais, il faut aller aider. Non, faut rester ici. Mettez-moi ces allers. Ah, il y a le mec là-bas sur le truc lourd. Merdoum, défaillance du fusil de snipe. Bon, je vais... Merde, mais le tonneau est proche, il est pas là-bas. J'aurais aimé mettre le feu au wagon, là où il y a le mec. Sauf si j'arrive à l'allumer. Visiblement, c'est le cas. Je sais pas si j'ai eu son compte. Y'a pas un gars là-bas? Et après, ouais, faut suivre la voie ferrée. Faut suivre la voie ferrée. Ah, qu'est-ce que j'ai été nul, je vais prendre un Uzi, moi. Du coup, je pars presque en quête d'un autre flingue, mais je sais pas s'il y a. Pas convaincu. Les loustiques que j'ai abattus là, joyeusement, ils ont quoi sur eux? Quoi, c'est remplacer le... Ouais, 9 mm. Oui, bah j'ai perdu mon lance-fusée. Voilà, je pourrais pas faire des diversions par le feu. Oh, merdoum. Merdoum, crotoum, bordelum. Petit flingue par un autre. Est-ce que c'est le même? Je sais pas. Ouais, bon. On dirait un désert eagle, mais j'en mettrai pas ma main à couper. Je reprends mon véhicule armé parce que ça risque vraiment d'être la guerre. Et je rappelle que l'avantage des tourelles armées sur les jeeps, elles sont limitées en munitions. Donc c'est un avantage stratégique majeur à ne surtout pas négliger. Ah, qu'est-ce que j'ai pas réquisitionné? Ouais, mais ça me servira à rien. Ah, voilà, ça par contre. Alors, je vais pas demander de bidon d'essence, j'ai plus de lance-flamme, je sais pas quoi. Attends, il y avait encore un truc. Ah, ah si, ouais, j'avais pas. Non, non, j'ai bien fait de m'arrêter. Je réquisitionne. Alors, du coup, je vais atteindre le pont via la voie ferrée. Merde! Ah bah j'ai coincé le véhicule. Je sais pas comment. Ah c'est peut-être... Ah c'est la souche qui m'a... L'arbre qui m'a coincé. Non, je pourrais rester sur la route. Mais... C'est tellement plus conventionnel. Ah, il faudra que je tourne sur ma gauche. Quoi? Il me dit que le chemin est par là-bas. Ah oui, il a raison. J'allais m'engouffrer dans une impasse qui mène à rien. Il a raison. Là, il y a un buffle. Attention. C'est le calme avant la tempête.
C'est clairement le calme avant la tempête. Parce que ça va se passer ici. Ça va se passer ici. Alors attends, j'ai deux objectifs. Soit aller au pont de chemin de fer et apporter le fusible à Nasrin, soit me rendre à la barge pleine d'armes et exécuter Yabek. Ouais, mais je vais aider la petite Nasrin. Je vais aider la petite Nasrin. Elle va l'avoir son fusible. Donc j'essaye aussi un peu de mémoriser où sont les trucs parce que... Alors ami ou ennemi? Ah, c'est ma copine. Ouais, oui, tableau mystère qu'on aura plaisir de retrouver ce soir. Alors, j'ai déclaré l'heure vers les 20h, 20h10. C'est le carillon des 20h qui va me dire qu'il faudra que je fasse la bascule vers le tableau mystère. Par ici. Regarde. Oula. C'est bon, donne-moi le fusible, mais fais attention. Tu m'étonnes. Où est-ce que t'es allé chercher ça, toi? Vache, ça c'est de l'obus. Effectivement, quand ça va péter... Allez, suis-moi. Ouais, ça va résonner à des kilomètres. Et l'autre Nigo, il est sous le pont. Eh ben dis donc, quand il va se manger le pont, il va rien comprendre. Baisse-toi. Ah ouais, non mais là, la barge, il y en a plus, là. Hé, hey, toi, garde les yeux bien ouverts. Il y en avait bien plus il y a une minute. C'est parti. J'ai gagné un... J'ai gagné des défaillances avec mon... Voilà, merci. Prends le pistolet mitrailleur, ma grande. Ta blessure est moche. Soigne-toi. Oh, ça va. J'ai eu pire. Personne d'autre? Et les ordres de mission disent quoi? Aider Nasrin à éliminer les troupes de la PR qui lui tirent dessus. Bon, bah visiblement il y a du peuple, mais là on les voit pas. Ils sont planqués, les salopards. Ta blessure est moche, soigne-toi! Ouais, t'en fais pas pour moi. Il n'y a pas de moustique en bas. Ah oui, elle s'est mangée une de ces poutrelles en métal. Enfin, c'est même plus une poutrelle, c'est une poutre, littéralement, vu le gabarit. La barge, elle est moche. Soigne-toi. Elle a dû être fendue en deux. Pas possible, les mystiques. Bon, bah, les gars se sont tués d'eux-mêmes. Ah. Je crois qu'on est tranquille. On le saura vite. Bon, en tout cas, merci. Tu te débrouilles bien, finalement. Oui, bah, merci. Toi aussi, tu te démerdes bien, ma grande. Tu te démerdes bien. Eh bien, du coup, je devine que je suis libre de faire ce que je veux, ouais. On me propose d'aller dans la capitale une nouvelle fois. Ouais, c'est ça. Alors, à partir de là, les bus sont pas... Il faudrait peut-être que je prenne la rivière et que je me barre à la capitale via la... Je pense que je vais prendre un navire en contrebas, là où j'ai tout fait péter. Encore que...
Tiens, on va voir s'ils sont logiques jusqu'au bout par rapport au pont. Je peux encore me promener ou ils ont bien cisaillé en deux? Ah, ils ont bien cisaillé en deux. Ah oui. Ah, la passerelle est encore tenue pour... D'un côté, dis donc. Ah, il y a des mecs. Il y a des mecs en bas. Et... Ah, il y a un navire. Ça m'intéresse. Attendez, voilà, j'ai décoincé, je sauvegarde et je snipe. Magnifique. Il y a un navire qui m'attend en bas. Est-ce que je suis taré et que je saute carrément dans la flotte? Merde, non, il y a trop de débris. Je vais me tuer en percutant un débris en bas. Et du coup, il y a des trucs intéressants du côté du pont, depuis que ça a pété ou quoi? Non, je pense pas. Ah, je peux descendre poliment par là. Enfin, je crois. Non, c'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Je peux pas faire un grand saut dans la flotte? Putain, j'aimerais bien. Ah, c'est dur. Je vais essayer, hein, mais à mon avis, je vais me tuer. La flotte! Ah, j'ai réussi, un miracle! Waouh! Le saut que j'ai fait! Le mec, il est robuste, il s'est pas assommé. Non, je peux pas monter sur le quai? Oh! Ah, magnifique! J'ai mon embarcation pour aller sur la capitale. Ouais, impressionnant, hein, joli plongeon. Oh! Attends, il y a un truc tout proche. Ça clignote à donf. Il y a quelque chose de précieux que j'ai pas récupéré. Là-bas. Qu'est-ce que c'est? Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une chasse au diamant ou une récolte des cassettes du chacal. Oh, ça m'étonnerait que ce soit une cassette ici. Bah, merde. Oh non, le truc il est au-dessus, je vais jamais pouvoir l'atteindre. Le truc il est au-dessus. Ouais, génial, je glisse. J'ai même pas le temps de vérifier à la lunette. Et je glisse comme un caca. Ah, je vois rien en surface là. Mais apparemment, ce serait au-dessus, le machin. Taillé par l'autre côté. Ça, c'est un truc qui m'a toujours dépassé dans le Far Cry 2. C'est les... Il y a des mallettes. À mon avis, il faut faire de ces détours pour les rejoindre. Non, je vais pas m'acharner. Tant pis. De toute façon, on l'a vu, l'énorme frustration, j'achète des flingues que je peux même plus me saisir, alors à quoi ça sert? Ça, c'est vraiment bidon comme comme erreur de programmation, de conception, c'est débile. Bon, allez, je vais retourner au niveau de la capitale. Quand même avec le navire, si je percute le truc, je peux pas... Qui c'est qui m'annule? Ah merde, il y a du monde en face. Ah! Je faisais une nage peinard, en fait, sur la rive opposée. Ils avaient pas tiré. Faut que je prenne le navire pour me faire allumer. Oui, j'espère qu'il est mort, le gars. Donc, il y a du monde ici, en fait. J'avais pas fait attention, mais... Ouais, mais avec la végétation, je verrai que puis. Et du coup, la mallette, elle est quelque part au-dessus, là. Comme je surplombe tout, j'en profite. Ouais, mais je la vois pas, c'est bizarre. Enfin, je suis peut-être un peu loin. Ouais, j'ai des grenades, je fais quoi? J'en balance une pour voir.
histoire de secouer la fourmilière. Ah oui, ça bouge. Merde. Je serais presque tenté d'y aller au molotov. Parce que si je fais cramer le feuillage des arbres, le temps que ça cuise, ça me libérera la vue à terme. Ce serait long, mais... Ah bah mais d'accord, je viens de tomber comme un caca. Je suis mort. J'ai glissé, chef. Ah, soupir. On va passer à Arx Fatalis. Même le jeu, il en a marre. Il dit non, t'as trop joué, t'arrêtes.